Hey, ohayo minasan, c'est Gunsho, et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mon aventure. Donc voilà, donc j'avais rendu mon dernier épisode des 4 ici. Donc voilà, donc là, il y a un petit peu de framerate, donc un petit peu de lame, c'est chiant. Et il y a le connard de... Ok, d'accord. Ok. Ok, vous êtes comme ça là, vous m'attaquez comme ça en mode what? Ok, mais elles sont folles ces ghouls. Il y a un coffre. Normalement il se casse pas. Ah, nice. Ah ah ah, ça c'est cool. C'est bon. C'est vraiment cool ça. 11 missiles. C'est la caverne d'Alibaba. Apparemment je suis en plein danger. Je ne sais pas d'où. Impressionnante, non, j'ai vu mieux quand même. J'ai vu mieux, ouais. Je sais même pas pourquoi je vais par là. Alors, relever la boîte aux lettres morte. Ok, il faut aller où? Ah, bah, juste là. Ça va, ça, c'est pile poil, c'est là où il faut y aller. Ok. Je sais même pourquoi je tourne la tête, sérieux. La merde. C'est de la merde, bordel. Bon, après, là, je suis dans un passage en fait, enfin un niveau où il y a de bas level, donc normal que je trouve du stuff de bas étage. Je peux avoir du loot donc c'est pas mal. Du loot, du loot. Je crois que j'ai déjà ramassé ça. Ok, un truc, ça sert à rien que je ramasse, je crois. Il y a forte chance que je sois passé par là. Et
là, ok. Pour moi, il n'y avait que les munitions de valeur. Ok, ce robot il voulait crever, mais il a reçu, on va dire, sa punition. Je suis où là? Je me suis perdu. Il y a tellement de bâtiments. Ok, d'accord, si je dois aller si. Ok. Ok, heureusement j'ai regardé la map, hein. Ah, cette épée là. Ok, heureusement j'ai bien regardé la map, hein. Alors, il faut aller là. Putain, je vois plus qu'est-ce qu'il y a ici. Ne faudrait-il pas nous mettre à couvert, monsieur? Je me sens vulnérable. Tous les systèmes fonctionnent. Quand même, me considère comme des... Ah oui, c'est vrai. Je fais partie de... Voilà. Du père. Donc tout le synthétique, je crois qu'ils ont pu m'attaquer. Sérieux? L'ordre primaire a été changé, comme quoi je... qui m'attaque quoi? Bon, ben j'espère que c'est pas cela que je dois détruire. Enfin, je m'en fous, je détruirai quand même. Ce n'est pas le problème. Donc là, il faut éliminer les individus hostiles. Ok. Je suis dedans là. Ça y est. Cette serrure n'avait pas aucune chance. Ouais, elle avait aucune chance. Détection.
Allez, on ouvre ça. Veuillez vous montrer. Je crois qu'il y a eu un explosif, non? Ça, je crois que j'ai déjà vérifié avant. Il y a une chaîne de l'autre côté. Putain, je vois plus où il faut passer. Oh non, j'ai laissé putain de clé hein. Élimination avec usage. Pas bien. Ok, j'ai fait ce qu'il fallait là. C'est bon. Non, j'en ai plus que besoin d'un seul. Sérieux.
Castle. Direct. Ok, ça, le ok, je vais retourner, toc toc. Nombre de morts 2. Je vais où ça? J'imagine qu'il ne faut pas. Ok, donc là je suis atterré là. On va faire quelques ventes là avec Cricket. Tout le monde veut ce que j'ai à vendre. Ouais, Cricket. Venez, venez, venez vous équiper en arme à feu en tout genre. Du petit calibre de poche au gros calibre qui fait boum, je les ai tous. Voyons ce que vous avez. Oh, génial. Allons foutre le bordel. Et voilà, j'ai pu vendre ce que je voulais. En fait, il y a des choses sur lui. Hey. Oui. Voilà. Non, en fait, il avait que dalle. Ok. Le meilleur hey. Modèle de General Atomics. Ok, c'est où là? Ok, c'est pas loin. Plus là, ok. On va en faire ça. L'argent corbeau. Je veux bien, mais. Il est où? Où est l'argent corbeau? Je veux bien trouver l'argent corbeau, mais il est où l'argent corbeau? Ça, c'est une question que je ne saurais point. Élucidé. Ah, Jean Corbeau, tu es où? Sérieux. Un jour, il faudrait que je fasse cette épave.
Vous êtes sur notre territoire. Cassez-vous. On n'a plus besoin de... Oh, attendez. Bordel de merde. Merde, je vais m'en sortir. Je les ai jamais blairés. Bon, certes, mais bon. Je vous ai jamais apprécié ces connards là, donc pour moi ça va, ils me parlent méchamment donc non, je suis pas prêt à vous voir. Le mec c'est NAP. Ok, donc voilà, ça c'est fait. Où est l'agent Corbeau? Ah mais aussi je vais pas que ouais, d'accord. D'accord. Alors à mon avis ça va être encore aussi loin que l'autre là. Agent Corbeau, où es-tu? Bah normalement ça doit être dans le coin. Ah là. Ok, ok, d'accord. Ok, ils sont où les cadavres? Là, j'ai vu valser. Je pense que je vais faire ça et ce sera la fin de cet épisode, je pense. Donc d'abord on va retrouver Monsieur Corbeau. Hey! Je crois que je suis déjà rentré dans ce bâtiment. Oh fuck. Où ça? Ah vas-y le robot là. Sérieux. À un certain moment j'ai vu qu'il y avait un... Non, je vais tirer dans le temps. Ah. Les lâches. T'es coriace toi. Ouais je suis coriace ouais. Ça y est.
Non. Tu l'as tué! Bon, par contre, je vais pas faire un tout inspection de bâtiment. Hein. J'ai déjà fait. Je suis déjà venu par ici plusieurs fois. Donc ça, je pense que ça sert à rien de venir fouiller partout en filmant plutôt. Franchement, ça servait à que dalle. Parce que je suis venu plusieurs fois ici et on va dire ouais, c'est juste un truc de farm, on va dire. Là, je fais juste parce que je suis là au l'endroit, donc enfin. Bon, enfin, au moment quoi, on va dire, voilà. Donc voilà, Matako. Donc là, on va sortir tout bonnement. Hein. Je crois que je vais aller rendre les quêtes directes. Loyer les. On va dire les résistants synthétiques. On va faire ça tout de suite. Donc voilà, hop là. Ok, on va parler à monsieur là. Votre intercepteur de signal a vraiment marché. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Corbeau, le survivant d'Augustin, il est mort. Je n'ai rien découvert concernant les synthétiques. Je m'en doutais. Au moins, vous êtes indemne. Peut-être que Desdemona m'écoutera la prochaine fois. J'espère que ça vous sera utile pour vos prochaines missions. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Ok. Ça, c'est fait. J'ai pas une quête à rendre, là. Quête... Voilà. Je viens d'entendre une rumeur absolument fascinante. Ah bon ? Il paraît que vous avez trouvé l'Institut, oui. Et même que vous y avez fait un petit tour. C'est fou, non ? Où est-ce que vous avez entendu ça ? C'est Deacon qui m'en a parlé. Et, comme d'habitude, il a refusé de me dire d'où il tenait ça. C'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Deacon dit que vous avez utilisé la téléportation. C'est vraiment incroyable. On sait que vous avez réussi à entrer grâce à l'aide de la confrérie de l'acier. Ce que j'espère, c'est que vous avez infiltré ces rangs pour nous. Ou du moins, que c'est d'abord à nous que va votre loyauté. C'est ce qu'on va vérifier. On a une mission cruciale que personne d'autre ne peut accomplir. Je peux compter sur vous ? Je préfère rester fidèle à la confrérie de l'acier. Vous savez ce qu'elle a prévu pour les synthétiques, n'est-ce pas ? Ouais. Un véritable génocide. Ouais. Prenez le temps d'y réfléchir sérieusement. Et efforcez-vous de revenir dans le droit chemin. Je suis dans le droit chemin. Le chemin de la confrérie. Desdemona. La confrérie massacrerait les synthétiques jusqu'au dernier si elle le pouvait. Je vous en prie, travaillez plutôt avec nous. Je ne sais pas. Vous n'envisagez quand même pas de travailler pour la confrérie? Elle considère les synthétiques comme des abominations. Elle les tuera tous. Je vous en prie, accordez-vous le temps de la réflexion. Ok, Ouais, mais comment je fais pour... Desdemona. La confrérie massacrerait les synthétiques jusqu'au dernier si elle le pouvait. Je vous en prie, travaillez plutôt avec nous. Pourquoi je devrais vous aider, vous ? Maintenant que la confrérie sait où se trouve l'Institut, elle finira bien par l'attaquer. Et quand elle le fera, elle massacrera tout le monde. Hommes, femmes, enfants et bien sûr, tous les synthétiques. J'ai trop de respect pour vous pour imaginer que vous prendriez part à un tel bain de sang. D'accord.
Je m'en occupe. Vous n'imaginez pas comme ça me soulage. Ce que je vais vous révéler est le secret le mieux gardé de notre groupe. Il est temps de vous parler du Patriote. C'est un homme, ou une femme, on ne sait pas vraiment, qui s'est infiltré dans l'Institut et qui aide les synthétiques à s'échapper. Des dizaines de synthétiques lui doivent la vie. On ne connaît pas son nom et on n'a jamais pu entrer en contact avec lui. C'est pour ça qu'on lui a donné le nom de code Patriote. Vous devez donc infiltrer l'Institut et prendre contact avec le Patriote. C'est impossible. Je ne peux pas contacter quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré et qui ignore tout de nos objectifs. Le Patriote nous a envoyé des messages. Grâce à ces messages, Tom a conçu un moyen d'entrer en contact avec lui. On va insérer un message codé dans un terminal de l'Institut et, si tout se passe bien, il devrait répondre. Allez voir Tom, il vous expliquera comment procéder. Ok. Oh bon sang! Vous avez vraiment réussi à entrer dans le ventre de la bête! Mais on verra ça plus tard. Commençons par vous permettre de contacter le Patriote. Ça, c'est une petite spécialité de Tom la bricole. Chargez ce truc sur une holobande, connectez-la à un terminal de l'Institut et lancez le programme. Ok. Bon, je pense pas que je ferai la voix de la synthétique, hein, perso. Je suis pas très très robotique. Enfin, si j'aime mes robots, mais ça c'est autre chose. Oui, c'est des robots, mais voilà. Je préfère mon robot Protectron, enfin, du moins, et mon robot cerveau qui est derrière moi. Bon, ben, cette caisse, je peux pas la rendre. Merci. Vous êtes là maintenant ? Je ne veux pas parler de Corbeau. Les leçons de Carrington me suffiront amplement. J'ai éliminé des générations 1 pour le repère Randolph. Randolph est toujours opérationnel ? Oh, enfin une bonne nouvelle. On pensait qu'ils avaient eux aussi été victimes de l'assaut conjoint qui nous a coûté le standard. Mais on a perdu le contact trop longtemps. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais on va devoir les mettre en quarantaine. Comme vous voulez. Si c'est ce que vous voulez. Oui. On va jouer la carte de la prudence et vérifier qu'il s'agit bien de nos hommes avant de les laisser revenir parmi nous. Toutes nos communications avec Randolph se feront par boîte aux lettres mortes. Contactez Tam Tam régulièrement. C'est lui qui coordonne nos boîtes aux lettres mortes. Merci. Ok. Bon, ben, pour les prochaines missions, ben, ce sera avec ça. Donc voilà. Donc ne m'en voyez pas si je choisis la confrérie, c'est que j'adore la confrérie, enfin j'aime bien. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard pour d'autres aventures sur Fallout 4. C'était Gachot. Bye bye.